Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, c'est le réveillon de Noël. C'est la belle nuit de Noël. Est-ce que nous allons avoir une maintenance spéciale réveillon de Noël? Ça fait quand même longtemps, ça va faire un peu moins de 24 heures qu'on n'a pas eu de maintenance et je me sens un petit peu fébrile là. Il me faut ma maintenance. Alors certains parie sur le fait qu'il y ait une maintenance pour corriger un bug qui n'en est pas un. Je vais vous montrer tout de suite. S'il s'agit des events en cours, hein, si vous allez dans les events en cours, bon, il y a toujours les mêmes events que je vous ai présentés, mais dans Voyage de Noël, si je dis pas de bêtises, voilà, exactement, c'est dans Voyage de Noël. Certains se plaignent de ne pas pouvoir ouvrir ce coffre. Hein. Ils cliquent dessus et ça leur met un message. Alors, le problème, c'est que le message apparaît derrière l'image de Voyage de Noël, donc on ne peut pas le lire. Quand on va dans les règles, alors moi j'ai cherché un info, quand on va dans les règles, comme je ne vois pas le message, on va dans les règles, ça nous dit rien de spécial, pendant l'événement, ajouter des flocons, chaque gouverneur peut avoir jusqu'à 10 coffres, patati patata, on utilise des flocons de neige glacée pour obtenir des bonhommes de neige, toutes les 100 gemmes, bla bla bla, les traîneaux d'or, c'est super quand t'as les traîneaux d'or, 20 000 points, on a droit à une récompense de classement, et quittez pas votre alliance ou on perd, bla bla bla. Donc rien de particulier, en fait l'info, je ne l'ai pas vue, hein, moi je suis peut-être Miro, mais elle est peut-être quelque part, je l'ai lu ailleurs plutôt que in-game, hein, je l'ai lu sur Facebook, sur le Facebook officiel. Et ben il faut avoir fait au moins 50 donations pour pouvoir commencer à ouvrir des coffres, donc tant que vous n'aurez pas fait 50 donations, vous ne pourrez pas ouvrir ce coffre. Alors certains d'entre vous font souvent la technique de garder un très gros stock d'items, là c'est des flocons, et tout donner d'un coup le dernier jour, hein, pour maximiser par exemple les critiques ou ce genre de choses, c'est sûr que si vous faites cette stratégie là, vous ne pourrez pas ouvrir les coffres, donc ça sert strictement à rien. Là pour le coup, il va falloir en donner 50, et après en avoir donné 50, vous pourrez ouvrir ce coffre. Donc ce n'est pas un bug, là, enfin il y a un bug, le fait que l'affichage ne se fasse pas et qu'on voit le message derrière en nombré mais qu'on n'arrive pas à le lire. En revanche, ils ne vont pas patcher ça, il n'y a pas besoin pour le coffre, il suffit simplement donc d'en donner 50. Vous le savez maintenant, faites votre 50 donations. N'hésitez pas à me le dire si ça ne marche pas, hein, mais moi je l'ai fait sur mes rerolls, ça fonctionne. Vous faites vos 50 donations, vous cliquez sur le coffre et vous verrez comme par magie, le coffre va s'ouvrir, ça sera votre cadeau de Noël. Sinon rien de particulier sur les events, la chasse au trésor. Bon, la chasse au trésor, c'est un petit peu un event qui est original, mais au niveau des items, c'est pas dingue, mais c'est toujours sympa. C'est un nouveau système, moi je trouve ça sympa. Et l'échange, quand on a des morceaux de cartes en trop, qui est issu des premiers échanges qu'ils ont fait pour les maraudeurs de la forteresse croisée, je trouve ça sympa. Pour le reste, on a le dernier jour de la roue de la chance. La roue de la chance, alors cette fois, j'ai été pas trop mal chanceux sur mes trois premiers tirages. On va voir, je vais monter à 10. Pour débloquer Cyrus, hein, pour l'avoir, et deux pour avoir écrit une histoire. Encore une tête de Cyrus, donc pour le moment, je crois que c'est ma troisième tête. Hein. Je vais faire le lancer à 800 gemmes, et après, je vais faire le lancer 5 fois. Donc de la pierre, là, ça sert à rien. 800 gemmes, les 4 stacks de pierre, c'est bien payé. 800 gemmes, ça pique un petit peu. Est-ce que je vais en avoir 10? Alors, je pense que là, avec les 5 des coffres en plus, je vais avoir mes 10 sculptures et je vais pouvoir le débloquer. Non, Adam Fields d'accélérateur. Moi des sculptures, non. Bon, là, 5 tirages n'ont pas été énormissimes. Est-ce que j'ai mes 10 sculptures ou pas? Je ne crois pas. Je crois pas que je vais pouvoir le débloquer tout de suite. Allons voir ça. Non, je dois être à 9. Si je dis pas de bêtises, je dois être à 9. Laissez-moi vérifier tout de suite. 9 sur 10, c'est ça. Bon, on va retenter 5 tirages pour juste le débloquer. Et on va se pencher sur les pronostics du dernier match de la Ligue des Fieux. Je vais au moins en avoir une. Voilà, bon, voilà, j'ai mes 10. Ça m'aura coûté 3600 plus. J'en ai même 11. Il est quel seigneur. Une générique, c'est très bien. Donne-moi 8 têtes. 8 têtes, 8 têtes. Non, dommage. Donc voilà, je peux à présent le débloquer et j'aurai mon petit pack écrivain d'histoire parce que bien évidemment, je vais prendre ce pack. Je vous le dis souvent, ce pack, il est énormissime. En parlant de pack, n'oubliez pas, hein, si vous devez avoir des packs à acheter en ce moment, n'oubliez pas la récompense de recharge et je vous conseille de prendre le pack de journée hivernale. Ça vous permettra d'avoir des items, des ballons notamment, qui vous permettront après d'aller dans l'event du store, hein, ces souvenirs de voyage, et échanger vos ballons et votre petite boule de bonhomme de neige contre des sculptures en or, contre des têtes en or notamment. Donc, ça sera vraiment, c'est le bon plan
en ce moment. Ça vous permet vraiment d'optimiser vos dépenses si vous êtes un low spender ou même si vous êtes un gros pay to win. C'est toujours plus rentable d'acheter ce pack-là en cette période avec les events. Juste avant d'aller voir les paris et ce que je vous conseille, je voulais vous montrer un petit extrait vidéo rapide que je vous ai fait durant le tournoi, le dernier match dimanche dernier, pour vous montrer que ça y est à présent, regardez, donc c'était au lancement, c'était plein, il y avait 200 sur 200, et regardez, malgré tout, je peux rentrer, j'ai été enfin rajouté par Lilith, ce qui me permet d'accéder directement à présent au stream, et donc on pourra soit aller voir le stream, soit passer par le stream officiel, hein, celui de Shitgul en général. Le confort à passer par le stream de Shitgul, c'est quand même que c'est lui qui crache et c'est pas moi, et c'est lui qui lag et c'est pas moi, ça ne fait pas ramer le stream que je vous fais, donc c'est quand même beaucoup plus confortable et ça permet de se concentrer sur vos questions et de parler avec vous. A few moments later. Passons à présent au pari pour ce dernier match. Vous étiez beaucoup à m'avoir demandé, notamment durant le live du premier match où les OV ont gagné, qu'est-ce qu'il se passerait si les OV gagnaient deux manches de suite? Est-ce que le tournoi serait fini ou pas? Eh bien, le problème ne se pose pas puisqu'on est à un partout. Moi, je pense qu'il y aurait eu trois manches quoi qu'il arrive, rien que pour le jeu et pour les paris. Donc, ce dernier match va être très serré. Comme vous l'avez vu, les V636 ont gagné à leur tour avec un écart plus important. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'historique de l'écart? Normalement, si on va dans événements et que je vais dans les paris, je peux avoir l'historique ici. Voilà, l'écart était légèrement plus grand puisque les OV ont gagné avec 2600 points d'avance. Les V136 ont gagné avec presque 4000 points d'avance, 3800 points d'avance. C'était un match de dingue, c'était un match très bien géré. Et regardez, contrairement aux deux premiers matchs, le pari est plutôt équilibré. Faveur des OV pour le moment, on est jeudi 24 décembre, c'est le réveillon de Noël. On est à 534 millions pour les OV et à 434 millions pour les V136. Il manque des parieurs. En général, on atterrit à 700 000, on est à 478 485 millions. Très précisément, donc il va rester encore un peu moins de 300 000 joueurs ou gouverneurs ou comptes plutôt, puisque ça peut être la même personne qui joue plusieurs comptes, comme moi je le fais sur mes 4 comptes, qui vont parier, qui va gagner. Ça va être un match très serré. Alors normalement, si vous m'avez suivi et que vous m'avez écouté, ce que j'espère pour vous, on s'en moque de qui va gagner, puisque regardez, moi il me reste 13 460 auric, et de l'autre côté, j'ai déjà vidé le store. Donc le store, il est plié, c'est réglé. Ce qui est dommage, c'est que là, on ne peut pas faire un pari pour faire un gros coup. Donc, si vous n'avez pas suivi mon pari des V136 et que vous n'avez pas suffisamment pour vider le store, ça va être très tendu de gagner suffisamment d'auric sur ce dernier pari pour le vider justement. Puisque si les cotes restent comme ça, on va simplement doubler sa mise. Alors que sur le pari d'avant, on a pratiquement fait x9 notre mise. Moi, j'ai récupéré 23 000 auric, tout simplement énormissime. Donc, si vous pariez même à contre-cote, là actuellement sur les V136, si je pariais 10 000, je récupérerais 20 000. Donc, j'aurais parié 10 000, évidemment, ce serait énorme. Et si vous avez que 5 000, vous ne récupérerez qu'un total de 5 000 de paris, de 5 000 de gains, 10 000. Ça vous permettra tout juste, même pas 2-4, ça vous permettra peut-être tout juste de vider le store, mais ça sera vraiment limite, limite. Pour ce match-là, au regard de la physionomie des deux matchs, il faut savoir que les V136 ont vraiment été un tout petit peu moins forts sur les structures à ce match-là, même s'ils ont été très bons, mais beaucoup plus forts au centre puisqu'ils ont réussi à récupérer un tombeau devant les OV qui, eux, pour le premier match, avaient été très forts sur les tombeaux. Donc, c'est ça qui a fait la différence. Est-ce que les V136 vont reproduire cet exploit ou est-ce que c'est un coup de chance et est-ce que les OV vont gagner? De mon point de vue, je pense que les V136 vont gagner ce match. Alors vous allez me dire, tu auras parié trois fois de suite sur eux et là tu n'as plus rien à perdre. Oui, j'ai plus rien à perdre, donc je pourrais faire un pari en contre-cote, mais là l'histoire n'est pas de parier en contre-cote car le gain est faible. Je parie sur les V136 car je pense réellement que les V136 vont gagner ce match. Alors normalement, il n'y a pas d'ouverture de porte sur mon royaume, il n'y a pas d'event important du KVK, donc je pourrais le suivre avec vous en live. Je vous ferai normalement, je vous tiendrai au courant durant ce week-end,
un live pour ce match. On le regardera tous ensemble comme d'habitude, comme la dernière fois. C'était très sympa d'ailleurs. Donc parions sur les V136. Je pense vraiment que les V136 vont gagner. S'ils gagnent, ça sera la première fois. D'un autre côté, c'est que la deuxième fois que ça se produit, que le royaume Anubis gagne, le continent Anubis, si on peut dire que c'est un continent, gagne face au continent Horus. Ça sera la première victoire, ce qui montrerait peut-être l'émergence et le retournement de la situation sur les nouveaux royaumes qui prennent le dessus sur les anciens royaumes. Donc on fait ce pari, on parie, je parie tout, parce que de toute façon, je ne vais rien faire de mes auriques. Je vous le rappelle, hein, un aurique va vous être échangé contre un de nourriture, donc ça sert strictement à rien de les garder, autant les claquer. Et en parlant de nouveau monde et de nouveau royaume, je ne sais pas si vous avez suivi cette news de dingue. Regardez, si on va sur les royaumes, il y a un nouveau royaume, soit qui est devenu Imperium, soit qui va l'être sous très très peu. Et quand je vous dis très très peu, c'est avant le week-end. Il s'agit du serveur, je vous le trouve, le serveur, voilà, il est Imperium à présent, le serveur 1114. Alors pour ceux qui ne suivent pas les grands feuilletons qui se passent sur les différents royaumes, je suis aussi là pour vous le dire, le serveur 114, et regardez avec l'alliance à leur tête, les 114K, ça vous rappelle rien? Ça devrait vous rappeler les 411. Il faut savoir que l'intégralité des grosses alliances du 411 ont migré sur le 114 et ils n'ont pas migré seuls. Hein, d'autres serveurs, d'autres grosses alliances, d'autres serveurs les ont rejoints. Actuellement, c'est vraiment un truc de dingue qui est en train de se passer sur ce royaume-là. Il va devenir probablement le royaume le plus puissant actuellement en termes de cumul de matchmaking. L'avantage pour les joueurs du 411 qui sont tous arrivés sur ce royaume-là, c'est qu'à présent, ils vont avoir tous les derniers commandants. Donc ça va être énormissime. Ça va vraiment être un gros royaume à suivre. Moi, je vous invite vraiment à réfléchir à ce royaume. Si vous êtes en train de chercher pour migrer et que vous avez une puissance inférieure à la limite de l'Imperium, réfléchissez, car c'est un très gros royaume en devenir. Et je suis impatient de voir ce que ça va donner, parce que les 411 se débrouillent très bien aussi en Ligue Osiris. Donc, impatient de voir sur la Ligue Saison 4 ce que ça va donner, et surtout ce que ça va donner pour leur prochain KVK. Sachant que si je dis pas de bêtises, le 114 avait prévu le coup, puisque c'est l'un des 4 royaumes qui ne s'est pas inscrit pour Heroic Anthem. Quand il y a eu la phase d'inscription, je vous ai dit, on est 286. Il y a 4 royaumes qui ne s'inscrivent pas, je ne comprends pas pourquoi. Et bien voilà, l'une des raisons, c'était car ils attendaient la migration, notamment du 400 sur leur royaume. Donc pour ne pas retarder cette migration, ils ont préféré ne pas faire un KVK. Il faut dire que le 114, ce n'était pas non plus un très gros royaume qui attendait le KVK impatiemment pour faire partie des plus gros KVK, même si c'était un royaume qui avait de quoi se défendre. Mais en tout cas, là, pour le coup, ils ne l'ont pas inscrit volontairement. Donc, ça peut être une stratégie aussi. Pensez-y, quand un royaume ne s'inscrit pas, c'est parce qu'il y a forcément une raison. Et en général, c'est la migration pour ne pas bloquer les joueurs. En parlant de KVK, je voulais vous montrer un document envoyé par l'un d'entre vous. C'est toujours dingue. Je suis toujours impressionné par ce que vous êtes capable de réaliser. Donc, si vous faites des choses comme ça, n'hésitez pas à me les partager. Regardez ce document. C'est sur le KVK 114 qui vient de commencer et un joueur a pris la peine de tout classer, tout noter. Vous le voyez, on a le top 6 Alliance Power et les scores du pré-KVK. On voit l'évolution à bas à droite jour par jour des 9 jours de pré-KVK et comment les meilleurs royaumes se sont positionnés et ont fini en score. On le voit, hein, au final, hein, il n'y a pas eu d'émergence, c'est souvent comme ça, hein, ceux qui partent en tête finissent dans les premiers. Regardez, on a en haut à gauche les scores individuels de chaque royaume, 27 milliards, 26 milliards, 24 milliards, avec le score du plus haut joueur du royaume. La couleur de son alliance, hein, puisqu'on a la team A qui est en rouge-orangé et la team B qui est en vert, 95 milliards, c'est déjà énorme face à 85 milliards. On a vraiment les scores à chaque stage, à chaque étape, hein, étape 1, étape 2, étape 3. On voit que le gris a commencé très fort et après c'est tassé. À l'inverse, le jaune a commencé plus modestement, même s'il a fini 3e sur le jour 1 et il s'est détaché sur le jour 2 et 3. Donc pas étonnant qu'il finisse juste devant le vert à la première position. Un classement des puissances des alliances aussi. Bref, un document vraiment très bien fait. Moi, je trouve toujours très intéressant ce genre de document. Certains en font même carrément des sites
web, comme je vous ai déjà montré, hein, comme RankInf par exemple, qui donnait des statistiques comme celle-là. Il y en a un nouveau qui est en train d'être créé, de site comme celui-là, par l'un d'entre vous. Mon Royaume est inscrit dessus, le 1256, hein, on fait partie des tests fermés. Je vous en parlerai, j'attends qu'il y ait un peu plus de data parce qu'on a commencé après notre grande guerre, notre grande ouverture des portes au niveau KVK à recenser les puissances. J'attends un peu plus de données sur ce site-là et je vais vous en parler, je vais vous montrer. C'est vraiment quelque chose de très intéressant pour tous ceux qui regardent les performances en KVK. Qu'ils cherchent soit un royaume ou migrer, soit si vous êtes sur le royaume et que vous êtes R4 ou R5 et que vous avez besoin de vérifier que tous les joueurs participent bien lors de votre KVK. 2000 years later. Pour finir les amis, quelques petits conseils rapides au niveau déjà des achats de packs. Alors déjà vous avez un nouvel icône ce matin, moi je trouve ça très sympa pour une fois cette icône, même s'il est inutile, je ne sais pas pourquoi ils l'ont rajouté, hein, quelle est la finalité du rajout de ce nouvel icône avec le petit point d'interrogation. Nous avons préparé quelques objets pour vous. Une fois le compte à rebours terminé, vous pourrez les récupérer sur cette page. Donc, ils vont nous donner un bouclier de 8 heures, c'est cool, hein, un boost de 12 heures et d'attaque et un boost de défense de 5% aussi de 12 heures. C'est très bien pour les jeunes royaumes, les tout récents royaumes, pour leur premier et plus grand gouverneur. Que c'est sûr, hein, ça va être un peu la guerre. 8 heures quand c'était 2 jours, c'était un peu short. Sur une journée, ça vous permet de faire au moins la nuit sans vous faire rouler dessus si votre royaume n'a pas encore eu son premier KVK et donc n'est pas uni et donc que c'est la guerre en interne sur les plus grands gouverneurs. Hein. On a tous normalement connu ça, sauf si vous avez commencé directement sur un royaume ancien. Mais au niveau des packs, n'oubliez pas, vous allez aussi, si vous faites très peu d'achats de packs, avoir les packs du jour de l'an qui restent des packs intéressants, qui sont un petit peu moins intéressants. Enfin, les années précédentes, ils étaient un petit peu moins intéressants que le pack de Noël, mais il va quand même avoir normalement un event et un pack lié au jour de l'an. Donc, tout comme on en aura un pour le nouvel an chinois également. En général, là, pour le nouvel an chinois, avec les enveloppes rouges, c'est très intéressant à ce moment-là. Je vous en reparlerai bien évidemment lorsqu'ils seront là ou juste avant qu'ils pop. Mais en tout cas, là, sur les packs, n'oubliez pas qu'on va en avoir de nouveaux. Donc, gardez un petit peu si vous avez besoin d'acheter quelques packs pour cette période. Ce serait dommage de passer à côté d'un bon pack. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, en ce réveillon de Noël, en ce 24 décembre, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout les amis, ça me fait vraiment très très plaisir et je vous en remercie vraiment énormément. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous les amis? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite encore une fois un excellent réveillon. Profitez bien les amis, amusez-vous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur Rock.